Salut, vous êtes la bienvenue sur la plateforme Charlène Tech. Je vous invite à abonner la chaîne pour plus de tutoriels de la sorte. Nous allons voir comment activer le protocole de routage RIP sur les équipements Cisco. La dernière fois, on avait mis en place le protocole de routage statique. Maintenant, on va voir le protocole de routage RIP, qui lui est un protocole de routage à vecteur de distance, configurable sur 15 routeurs. Ok. Après, lorsque vous mettez l'autre, le 16e, c'est pas sûr que les paquets vont être perdus. C'est pas si compliqué que ça. Donc, du coup, on va voir comment le configurer sur un routeur Cisco. Donc, est-ce qu'il va le faire? On va le laisser. Donc, on va faire sur ce schéma-là. On va mettre en place le protocole RIP. Bon, aussi, ce que je vais faire, je vais effacer les configurations sur routeur afin qu'on puisse activer le protocole de routage RIP, puisque là, il y a le protocole de routage statique, mais on aurait pu rajouter d'autres réseaux aussi. Par exemple, là, je vais rajouter un autre réseau. Boom. Je peux venir sur cet équipement-là pour rajouter une liaison en série. Et l'autre aussi, je crois que je vais. Moi, je vais rajouter une liaison en série pour que je puisse relier ce routeur-là. Je pense aussi, vous pouvez le relier en série. Vous les reliez en série, c'est pas un problème. Et ça, c'est bon et on peut. Je sais que lui là, il n'y a qu'un seul port serial. Je vais rajouter un deuxième pour pouvoir relier. On va rajouter deux autres réseaux. Donc pour pouvoir les relier en série à leur tour. Ok, là donc c'est en rouge, bon, j'avais éteint le routeur. Ce routeur là maintenant va connaître trois réseaux, lui, celui-là et celui qu'on va mettre là. Donc on va déjà relier en série. Voilà, maintenant ce réseau là, si on va venir prendre un switch, hein. Ok. Équipement. Et qu'est-ce qu'on prend comme switch? Oui, je mets de l'équipement. Ici, je prends ce modèle-là. Boom. Et je prends un ordinateur aussi, non? Je relie le routeur. Enfin, c'était net au switch. Et je relie l'ordinateur au switch également en face d'Ethernet. Là, on a rajouté sur la topologie. Pour venir router ce réseau-là en RIP. Ok. On va dire que lui, c'est le réseau 13.13.13.0. Ok, lui, on va dire que c'est un slash 26 par exemple. Ça, c'est correct. À présent, on va venir prendre ici pour mettre un autre réseau. Ce réseau-là, lui, va être 192.168.10.0. Slash 24. Bon. Maintenant, on va venir sur cette machine pour lui mettre une adresse IP dans le réseau qu'il est. C'est-à-dire 192.168.10. Qu'est-ce qu'on va dire? Cette machine va avoir l'adresse IP.10.
Ok. L'adresse qu'on va donner au routeur doit être 192.168.10.254. C'est bon. Le switch, on a dit bon. Le switch n'a pas d'adresse IP, on va pas l'oublier. Maintenant, il reste le routeur qu'on va venir dire que. On va dans le CLI, hein, non? Non. Ok. On peut faire enable conf pour outil. On va dire host pour. On n'a pas renommé les autres, mais. On va renommer celui-là. Et. Non, INTF et 0 slash 0, on va dire IP address et 192.168.10.254. Plus loin, c'est 255.255.255.0. C'est correct et on fait nos SH pour allumer. Donc cette interface là, il y a l'adresse IP. Maintenant, dans Serial 0, lui, il est dans ce réseau. On peut faire exit ici pour sortir de l'interface pour aller rentrer dans celui de Serial 0 slash 2 slash 0, puis on va le dire IP address. Plus loin, on a dit qu'il était dans le sous-réseau 13, ok, et c'est un slash 26. Donc on va lui donner l'adresse IP suivant 13.13.13.13. 254, on dit que c'était un slash 26, donc 255.255.255.192. Ok, et on peut faire un autre SH pour enregistrer ça. C'est bon. Ici, on peut faire ça pour enregistrer. W boom. C'est fait. Maintenant, on va sur ce routeur là. Sur ce routeur là, il y a déjà une autre statique dessus. On a vu la dernière fois, on va faire in pour conf et puis on va dire host, puis on va mettre R2 pour routeur 2. Ensuite on fait rentrer, on va dans cette interface là. Ok, donc ça, ok, on est là, show IP INT pour show IP interface. Le port serial là, il me faut le numéro, on peut pas aller parce qu'il y en a deux ports serial sur ce routeur. Et là, c'est un peu qu'est-ce que je vois là. Zéro slash, ok. Oui, c'est 0 slash 0. C'est celui-là. Parce que celui-là, il y a déjà le réseau, je crois que c'est 10 qui passe là-dedans. Dans 0 slash 0, on va dire conf ici pour qu'il puisse faire passer le réseau 13. INT serial 0 slash 0 slash 0. On peut rentrer, on va dire IP address comme ceci. On va dire que c'est 13.13.25. Wow, on va mettre 150. 150. Ok. Son masque, c'est. Parce qu'on avait dit que c'était un slash 26. Donc, nous. SH. Ok. Et on enregistre. Ok. Donc là, on a rajouté ce 10 réseaux là. On a rajouté plusieurs choses. On a rajouté ce routeur là. Le switch plus un ordinateur. Sur le schéma en fait, puis le réseau, voilà. Donc
C'est-à-dire que même là, je ne peux pas contacter cette interface, okay? Et je ne peux pas contacter cette machine qu'elle a. Ici, on peut, parce qu'on a déjà rajouté le protocole statique ici pour ce réseau-là, pour ce réseau-là. Maintenant, il reste ces réseaux-là qu'on va venir router en RIP. Attention, là, nous allons procéder à la configuration du protocole RIP pour Routing Information Protocol. Donc pour ceci, on va se mettre sur R1, sur le routeur 1 dans le CLI, in pour enable, confti pour configure terminal. La première commande, c'est routeur RIP. Là, vous mettez RIP. Ça, on active le protocole RIP. On va spécifier la version. C'est version 2. La version 1 ne prend pas en compte les sous-réseaux. La version 2 prend en compte les sous-réseaux et les réseaux. OK. La troisième commande concernant RIP, ça va être no auto-summary. Hop, celle-là va désactiver les résumés de RIP. Okay, ça ne va pas perturber le protocole RIP en envoyant des résumés à chaque fois que vous ajoutez un nouveau réseau. Quatrième commande qui va être passive interface FE 0 slash 0. Okay, donc qui est cette interface-là. Okay, je vous ai dit, ça c'est en Ethernet, donc, okay, donc celui-là il est en série. Vous pouvez relier 15 routeurs en série comme cela. Là j'ai relié 3. Vous pouvez relier jusqu'à 15. Vous configurez le protocole RIP sur. Au bout de la 16e, ça ne va pas être pris en compte. Donc, je vous ai dit que c'est un protocole à vecteur de distance. Maintenant, network. Puis on va mettre les 5 réseaux qui sont là. Vous comptez, vous avez deux par là et un autre par là. Ce qui fait 5 réseaux. On va dire network. 10.10.10.0. Premier réseau. Il suffit juste de les annoncer. RIP va prendre le relais. Je mets ça un peu plus grand. Donc ensuite c'était network 11.11.0. Ensuite encore une fois network 172.10.10.0. Ensuite on va dire network puisqu'on a 5 réseaux à annoncer. On va dire 13.13.13. Peu importe l'ordre que vous les mettez, c'est pas un souci. Net. Puis 192.168.10.0. Vous n'avez pas besoin de mettre leur masque de sous-réseau. Pour ce routeur-là, c'est bon. Là, on peut faire pour enregistrer et on sort d'ici faisant exit. Exit encore. C'est OK. Pour ce routeur-là. Il faut faire la même chose sur les deux autres routeurs. Annoncer les 5 réseaux. Voilà, je mets ici une pour enable, conf-t pour configurer terminal, on lui dit router RIP. Le router RIP, hop, et puis on spécifie la version. Version 2. Et on va lui dire no auto-summary pour désactiver le résumé. Hop, et puis on va dire passive interface. On va mettre sur l'interface Ethernet FE0 slash 0. C'est correct pour ce routeur là. On va lui dire network 10.10.10.0. Puis encore une fois network 11.11.11.0. Et puis encore une fois network 172.10.10.0 et encore network. On met les 5 réseaux ici. On déclare les 5 réseaux 13.13.13.0 et le dernier réseau qui est le 192.168.10.0. C'est bon pour ce routeur là. Enregistrons, puis on fait end pour quitter complètement ici. Exit et end, parce que vous êtes trop loin pour finir plus vite, vous faites end. Mais si vous voulez faire exit, 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 vous pouvez aussi. C'est bon pour ce routeur. Pour R2 et R3, ça va être pareil. HIP.
con ti grip grip va dire version 2 hop nous auto sommerie hop et puis on va dire passif interface f et 0 slash 0 pour fast ethernet 0 slash 0 puis là on va dire network 10.10.10.0 et ensuite network encore une fois 11 ok et peu importe l'ordre que vous le mettez c'est pas un problème. Ok, il reste le 192. Ok, c'est bon pour ce cœur. On enregistre et on fait exit pour sortir d'ici. Si vous voulez, vous pouvez faire un dessus. Ça va plus vite. C'est bon. Maintenant, si on reste sur ce routeur là, ok, sur celui-là, on fait show IP route, ça va passer ici pour aller voir dans la table de routage de ce routeur. Les deux R là, ça veut dire que le réseau 10 est routé en RIP. Le C, ça veut dire qu'il est directement connecté. Et lui, il n'a pas de route statique. C'est pour ça que vous ne voyez pas le statique, parce que c'est un réseau qu'on a rajouté. Maintenant, vous avez vu ce qu'il y a dans la table de routage là, c'est bon. Je peux faire exit ici. Hein. Pareil, on va faire in. Il faut que do show IP route. Ok. Vous avez ce réseau là en RIP. C'est directement connecté. Vous avez ce réseau là. Lui, il est routé en statique. Tête de réseau, ouais, voilà. Il n'y a que celui-là qui connaissait pas, bien sûr, parce qu'il est connecté à trois réseaux sur routeur là. Ici, par contre, si on fait la même chose, show IP route, lorsque vous êtes là, à l'étape privilégiée, vous pouvez faire show IP route, ça va passer. Mais lorsque vous êtes en configuration globale, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que il faut mettre d'où devant. Donc, on a deux réseaux en RIP et on a un réseau en statique sur celui-là. Maintenant, si on prend cette machine-là, qui lui est dans le 92, on va faire un ping voir ping et 10.10.10. Ouais, qu'est-ce qu'on avait mis? 2.5.4 voilà ça pique. D'ici j'ai contacté une machine ici là dans l'interface du routeur. On peut voir pour une machine aussi 11. On va faire la même chose, on va faire ping, mais cette fois-ci on va pinguer la machine qui est dans le réseau 11, pas dans 10. Voilà, ça communique. Ok, le premier c'est normal, il y a un qui retrograde time out, les trois autres sont corrects. Et puis bon, si je me mets sur cette machine pour dire qu'on va faire un ping 192.168.10.10, vous voyez, ça communique. C'est à dire que tous ces deux réseaux là sont routés en RIP. Celui-là, sont routés en statique. On a activé le protocole de routage RIP sur le protocole de routage statique. C'est faisable. Hein? Donc, c'est faisable. Donc, après, on reviendra pour le SPF. On va voir comment on va terminer ça. Et oui, il y a beaucoup de choses encore à rajouter là. Plein d'autres choses qu'on va rajouter au fur et à mesure. Bon, ben, abonnez la chaîne pour d'autres tutoriels de la sorte.
puis portez-vous bien. Abonnez, partagez au max. Allez, ciao.